Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter un chargeur Spectrum S2100. C'est le Smart Charger. Il a vraiment des belles particularités. Il est full digital. Alors déjà, de prime abord, il a la taille d'une main. Hein. Il n'est pas très grand, vous voyez. Au niveau des prises, on a les sorties en duo, Channel 1, Channel 2. Les deux prises d'équilibrage ici. On pourra adapter évidemment tous les câbles de charge. Sur le côté ici, on a une sortie USB 5V 2A, très pratique pour la charge de l'iPhone ou pour la lampe LED de stand. Alors c'est ici alimenté en 220 volts sur le dispositif. Avec notre prise ici, voilà. On a double ventilation, surtout aucun risque de chauffe. Et on a un écran digital ici avec le menu, une touche menu qui permet de faire un certain nombre de manœuvres, de manipulations, de programmations sur ce chargeur. Alors, on va regarder tous les types de batteries qu'il est possible de charger ici. Voilà. Alors, en appuyant sur le bouton central, on a LIHV, LiPo, LiLong et LiF. Ensuite, on va pouvoir regarder du 2S au 6S. Alors, la particularité de ce chargeur, c'est que si on utilise des lipos de la marque Spectrum avec le logo Smart Technology, on va avoir la possibilité que le chargeur reconnaisse le type d'accu à charger. La capacité, on a toute l'historique, le nombre de charges, tous les cycles qui ont été faits par le pack. Le chargeur va retracer toute l'historique si on utilise des lipos de la marque Spectrum Smart Technology. Voilà. Donc dans les autres options, on va avoir toutes les possibilités de charge de 2 jusqu'à 12 ampères. C'est assez, assez puissant au niveau de la possibilité de charge. Les tensions jusque du high voltage 4,35 par élément. Donc ça, en fonction du type d'accu qu'on va utiliser, eh bien on va limiter la capacité à 4,20 ou plus si on est autorisé sur du high voltage, jusqu'à 4,35 par élément. Voilà. Et on a un écran digital qui va nous donner toutes les possibilités. Voilà, ici tout se guide en faisant tactile sur le bouton central. C'est le S2100 Smart Charger de Spectrum. À bientôt.